Bonjour, donc on m'a demandé de faire cette petite vidéo à propos de la sortie de mon livre. Je vais être très bref parce que j'avoue que je ne suis pas du tout à l'aise avec ça. Je déteste l'idée de faire ma publicité, d'autant d'ailleurs que j'ai refusé la quasi-totalité des invitations à la radio et à la télévision qui m'ont été faites à ce propos, souhaitant me tenir à une certaine assaise médiatique et souhaitant surtout, je n'ai cessé de le répéter, que la parole soit plutôt prise par les véritables experts que je ne suis pas. Je ne veux jouer qu'un rôle de passeur dans cette affaire. Alors, le petit essai en question se nomme « Le plus grand défi de l'histoire de l'humanité » chez Michel Lafon. C'est le titre d'ailleurs de la tribune que Juliette Binoche et moi avions publiée en septembre dernier dans le journal Le Monde. L'idée est simple, hein. Mon père m'a dit, après avoir joué le rôle de lanceur d'alerte, parmi beaucoup d'autres, hein, évidemment, il y a énormément d'autres articles sur ce sujet, il serait bon que tu proposes des solutions et que tu n'en restes pas simplement à l'énoncé du danger. Donc c'est un peu ce que j'ai essayé de faire ici, rappeler bien sûr la dimension dramatique de la situation. Nous avons perdu 60% des espèces vivantes sauvages en 40 ans, ou plus exactement des populations sauvages en 40 ans. C'est un drame absolument indescriptible. Ce n'est pas une peur, hein. C'est un bilan, ça a déjà eu lieu. C'est vrai, il y a le problème du réchauffement climatique. On est plutôt actuellement sur une pente à plus 5 degrés, qui est catastrophique. Mais à court terme, c'est aussi le problème de la disparition des espaces de vie. C'est surtout le problème des pesticides, de la pollution. Quand bien même le climat irait bien, nous serions quand même dans la sixième extinction massive. Donc on fait véritablement face à un défi gigantesque. Alors, je n'ai pas, hein, naturellement, de solution parfaite clé en main, mais il y a évidemment des directions simples, connues, mais que je rappelle. Et puis, je crois un travail beaucoup plus profond à opérer. Il faut entièrement revoir ce que l'on est, ce que l'on veut, notre être au monde, notre rapport à la nature. Il faut se faire démurger. Et ça, finalement, c'est presque la bonne nouvelle. Parce que nous sommes la génération qui doit tout réinventer, sans quoi, je crois, elle périra, ou en tous les cas, elle survivra dans un anthropocène dévasté et un monde qui n'aura plus aucun sens, parce que privé de cette beauté, de cette richesse, de cette fragilité qui fait évidemment toute sa valeur. Donc il y a un travail politique, économique, éthique, mais aussi poétique et sémantique. Donc je crois que le travail est immense. Sincèrement, j'ai peu d'espoir que nous y parvenions, mais en tout état de cause, il y a ici une carte à jouer qui, si elle fonctionnait, pourrait totalement réenchanter notre rapport à la nature et apaiser cette espèce de folie sociale dans laquelle nous nous sommes placés avec des inégalités qui sont tout simplement obscènes. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'ai tenté d'essayer d'expliquer dans ce petit livre, Le plus grand défi de l'histoire de l'humanité. Mais je préfère parler des autres que de moi-même, donc j'en profite pour faire la pub d'autres ouvrages qui sont un peu la suite du mien. Je note en particulier Jean-Marc Gansil, Ne plus se mentir. J'adore ce petit livre, et de ce que je connais de lui, j'adore aussi Jean-Marc. C'est un livre percutant, écrit de façon extrêmement factuelle, extrêmement brutale, mais il se trouve que la fin du monde, c'est brutal, donc c'est normal d'en parler comme ça. C'est pas du tout un doudingue, collapsologue, alarmiste, millénariste, etc. Hein, c'est pas un prophète de malheur, c'est quelqu'un de très rationnel, il y a beaucoup de chiffres, c'est hyper convaincant, et je pense qu'on est quand même transformé après avoir lu ça. Je ne l'ai pas sous la main, mais il y a aussi Pablo Servigne qui m'a envoyé son beau livre avec ses deux collègues, Une autre fin du monde est possible. J'aime bien ce qu'ils font. Il y a une dimension aussi un peu ontologique, anthropologique. Ils rappellent que finalement, il faut développer des entraides. Et ça, j'y crois énormément. C'est aussi mon idée, c'est aussi ma thèse. Il faut développer des alliances entre les humains et entre les non-humains en situation de crise. C'est ça, je crois, qui peut nous sauver. Et puis, il faut peut-être aussi revoir d'autres manière de faire fonctionner le réel, comme des peuplades qui sont aujourd'hui oubliées, l'avaient inventé. En fait, il faut avant tout être modeste et décolonialiser toutes nos formes de pensée. Et évidemment, hein, c'est pas une régression que nous proposons. Moi, je suis pour la croissance et pour le progrès, mais en définissant croissance et progrès comme étant plus d'amour, plus d'entraide, plus de partage, moins d'inégalité, plus de respect de la vie et plus de découverte de valeurs qui ont quand même un sens un peu plus profond que la nouvelle génération de téléphones portables. Et puis, je note aussi Véronique Bergen, le livre « Guérilla ». Bon, Véronique, c'est mon amie, hein, tout ça est très biaisé, mais elle est géniale, elle est belle dans sa manière
inimitable d'écrire parce qu'elle a à la fois un style qui est exactement le sien et puis elle a un style qui est tellement diffracté qu'il englobe tous les styles. Donc lire Véronique, c'est toujours un peu une expérience d'électrochoc comme ça, avec ce que ça peut avoir de plus merveilleux. Là, on est moins dans l'analyse factuelle, technique, que dans une sorte de monde onirique, mais qui hélas est en écho direct avec le drame en cours. Donc je pense qu'il faut le lire. Véronique, c'est une expérience qui est à la fois philosophique et poétique, et c'est exactement de ce décloisonnement dont nous avons besoin pour tenter de faire face à ce défi qui, reconnaissons-le, s'annonce très mal, mais qui, s'il était gagné, pourrait aussi être la plus magnifique invention de notre petite histoire sur cette planète. Merci.